Bonjour Edgar. Bonjour. Alors, t'as été appelé au Supercross de Lyon suite à la chute de Tom. Tu le trouves comment, le public? Vraiment, bon, le public, c'est ça, c'est chaud, c'est cool. C'est pas hier comme il a resté, le public, mais ce soir, bien. Ça fait longtemps que le public français te suit depuis le Supercross de Bercy, globalement. Tu es une méga star quand même en France. En plus, tu roules en Yamaha comme moi. Ça, c'est bon. Qu'est-ce que tu nous prépares ce soir? Bon, vraiment, il n'y a pas une chose spéciale parce que moi, la question, c'est mon style que moi, il y a dans la moto. Et bon, si qu'il y a de bons tricks, difficile, et on verra si dans la dernière ronde on va faire tous les minutes. Est-ce que tu nous prépares un petit beatbox? Ouais, je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé pour faire dans les dernières sessions. Comme d'habitude petit, oui. Et alors oui, on va faire une petite session de beatbox. Est-ce qu'on va te revoir en France? Est-ce qu'on va te revoir en France en 2017? Oui, bien sûr. Moi, normalement, je roule ici parce que bon, il y a de bons organisateurs et managers aussi, comme CBO. Il y a encore Blackliner. Il y a beaucoup d'organisateurs qui m'appellent toujours pour venir ici. Et bon, la France, c'est comme une deuxième maison pour moi. J'ai commencé de plus petit ici, alors je pense qu'on continue l'année prochaine. Oui. Merci. Une petite question, Edgar, ouais. Sur ta moto. Ouais. Quelle est cette pièce? Ça, c'est le rose-pied. On fait comme ça. Et on met les pieds. On fait les flim Noël. Alors, c'est un truc, bon, c'est nécessaire. Parce que normalement, quand tu lâches les mains, la moto, il fait des rotations. Et les guidons, ils partent. On fait comme ça, la moto est whip. Et alors c'est difficile s'il n'y a pas les repose-pieds. Avec ça, c'est meilleur. Il y a une concentration, toujours il y a les pieds là. Et c'est plus facile. Ok. Merci Edgar, bonne soirée. Merci à vous.